Alors, que sait-on de cette souche mutante apparue en Grande-Bretagne et comment empêcher sa diffusion dans le monde? Bonne question. La découverte d'une nouvelle variante hors de contrôle du coronavirus au Royaume-Uni a poussé dimanche plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Irlande, à suspendre leur liaison avec ce pays, faisant grandir l'inquiétude à l'approche des fêtes de fin d'année qui seront soumises à de sévères restrictions. Les experts de l'Union européenne sont toutefois arrivés à la conclusion que les vaccins actuels contre le Covid restaient efficaces face à la nouvelle variante annoncée dimanche soir par le gouvernement allemand. D'après tout ce que nous savons à l'heure qu'il est, et à la suite d'entretiens qui ont eu lieu entre les experts et les autorités européennes, la nouvelle souche n'a pas d'impact sur les vaccins qui restent tout aussi efficaces. Ouais, alors ça, je suis pas sûr qu'ils en soient certains à 100% quand même, hein. La décision de l'Allemagne d'interrompre ses liaisons avec le Royaume-Uni, qui ne concerne pour l'heure que les vols, qui pourraient être adoptés par l'ensemble de l'UE, doit être officialisée dans les prochaines heures, a déclaré l'AFP, une source gouvernementale précisant que les États européens discutaient en parallèle une réponse commune concernant les liaisons maritimes, ferroviaires et routières. La France suspend pour sa part à partir de dimanche minuit tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni pour 48 heures. Mon avis, ça sera prolongé un peu plus que ça. Long article du coup. Seul le fret non accompagné sera autorisé, les flux de personnes ou de transport en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés. Donc ça, j'avais déjà vu hier, hein, dans une news. Je vais passer. La nouvelle souche est hors de contrôle, a reconnu dimanche le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, justifiant aussi un reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre. Ce sera très difficile de le garder sous contrôle jusqu'à ce qu'un vaccin soit largement diffusé. Le président Emmanuel Macron, la chancelière allemande et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la présidente du Conseil européen Charles Michel ont échangé dimanche pour évoquer cette nouvelle variante du Covid. L'OMS et l'Agence européenne des maladies ont appelé dimanche leurs membres en Europe à renforcer leur contrôle pour combattre la propagation de la nouvelle variante du virus, notamment en améliorant la capacité de détection de la souche. L'Agence européenne de contrôle des maladies, qui inclut une trentaine de pays dont les membres de l'UE et du Royaume-Uni, n'a quant à elle pas exclu que la variante circule en dehors du territoire britannique. Une poignée de cas ont du reste été signalés au Danemark, 9, ainsi qu'un cas aux Pays-Bas, en Australie, a souligné l'OMS. Outre des signes préliminaires selon lesquels la variante pourrait être plus contagieuse, la nouvelle souche britannique pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes de diagnostic, a poursuivi l'OMS. Il n'y a en revanche pour le moment aucune preuve d'un changement de la gravité de la maladie. Telle perturbation des trafics aériens et ferroviaires, si elle perdurait, pour aggraver les problèmes de transport dans le contexte du Brexit, le marché unique de l'UE garantissant la libre circulation à l'intérieur de ses frontières. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays est l'un des plus endeuillés en Europe avec plus de 67 000 morts, avait déclaré samedi que le virus qui circule à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre était jusqu'à 70% plutôt contagieux que la souche précédente. Afin de juguler cette version mutante, plus de 16 millions de Londoniens et d'habitants du sud-est de l'Angleterre se sont réveillés dimanche sous un nouveau confinement, contraints de faire une croix sur Noël. Oh la vache, quelle horreur. Bon, après, je pense honnêtement, il y a des Anglais qui vont braver le confinement. Hein. Pour Noël, là, ils vont pas accepter non plus. Ça m'étonnerait qu'ils obéissent tous au doigt à l'œil au gouvernement anglais. Voilà, donc, pas très réjouissant toutes ces news. Reste à savoir si en France, on va pas se taper un nouveau confinement avant Noël ou après Noël. Je vous laisse commenter. Ciao.